Turn off the light. Le grand. Au départ, cette maison, elle était provençale. Pendant la construction, nous étions en train de choisir la porte d'entrée. Quand ma femme est allée visiter la maison d'un voisin, elle a regardé la porte d'entrée et elle a dit « Voilà, ben c'est exactement la porte d'entrée que j'ai vue. » Mais j'ai dit « Mais tu ne peux pas mettre une porte d'entrée comme ça dans une maison provençale. » Elle a dit « Oui, mais alors on n'a qu'à changer. Changer la porte, non, changer la maison. » C'est comme ça que la maison elle a commencé à prendre des caractéristiques un petit peu plus contemporaines. On a essayé de faire une maison pour nous quatre, donc de maison moderne, de maison ouverte, ouverte vers la nature, vers le soleil. Et c'est ça en fait qu'on a privilégié en construisant cette nouvelle maison. La domotique a beaucoup évolué. Au départ, ça ne nous allait pas vraiment comme on souhaitait. On souhaitait plus de commandes et avec les nouvelles solutions du MyHome, nous avons pu avoir des scénarios, du contrôler la maison, home cinéma, l'éclairage. Nous pouvons toujours garder un œil sur la maison et faire une simulation de présence. C'est assez intéressant. Avec l'iPhone, lorsque nous sommes en déplacement, on y arrive à commander, à ouvrir un volet, regarder si tout va bien, si les chiens sont contents ou pas. Et pour nous, ça nous tranquillise en voyage. Avant, comme je disais, on était dans une maison qui était bien, mais c'est vrai qu'il fallait tous les soirs refermer tous les volets, éteindre toutes les lumières, faire le tour de la maison pour voir si toutes les portes étaient bien fermées. C'était à moi, en fait, qui encouvrait toutes ces tâches. Et bien, aujourd'hui, j'ai appuyé sur un bouton, et bien, tous les volets se referment, toutes les lumières s'éteignent. On peut très bien voir qui arrive. Et c'est très pratique parce qu'aujourd'hui, j'ai conçois de laisser mon fils de 12 ans tout seul parce que lui, il peut regarder et puis contrôler la maison comme il veut, faire semblant qu'il est à droite, à gauche, surtout quand nous, on n'est pas là. L'effet d'avoir changé une maison provençale en contemporaine, je pense que ça nous a fait plaisir et aussi ça fait plaisir aux enfants et même les amis. Ce qui me plaît par-dessus tout ici, c'est de pouvoir être à l'aise et puis par exemple, quand je fais des soirées ou même la journée, pouvoir mettre de la musique dans la maison avec l'ordi ou le téléphone. Donc par exemple, je peux contrôler du bout des doigts le son, la musique qui me plaît. On peut envoyer sur, par exemple, la cuisine, le salon, la piscine, à l'intérieur de l'eau. Voilà. J'ai une borne Wi-Fi dans ma chambre qui est juste là. Et ça me permet de rester dans ma chambre et de jouer fluidement à mes jeux parce que j'ai un bon accès à Internet. Nous sommes très heureux d'avoir fait quelque chose qui est assez fidèle au projet d'origine, de départ, et c'est un plaisir d'avoir fait une maison comme celle-ci. Turn off the light.